Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un moment d'absence sur YouTube. Alors pour ceux qui le savent pas encore, on est parti pour un long voyage d'un an du Guatemala jusqu'en Argentine. Et là on commence par le plus petit pays d'Amérique centrale, le Salvador. Notre première journée, on va se concentrer sur la capitale de San Salvador et là on est en face du Palais National. On est dans le centre historique de San Salvador, donc c'est une petite ville sympa. Il faut savoir qu'il y a quelques années c'était l'une des villes les plus dangereuses du monde. Et là, je trouve que c'est vraiment cool. Enfin, et pour l'instant, les Salvadoriens sont plutôt sympas et abordent très facilement. Et franchement, un très bon début de voyage et impression de l'Amérique centrale. Ouais, une très bonne première impression de l'Amérique centrale. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. On mettra en lien dans la description le lien Instagram et Polar Step pour suivre notre voyage presque en direct. Là j'en profite pour me faire une petite coupe de cheveux. Ça fait 2-3 mois que je me suis pas coupé les cheveux, ils sont hyper longs. Et je vais essayer un truc original que j'ai vu dans un drama. Et que tout le monde ici a cette coupe de cheveux, donc il ne devrait pas y avoir de raté. Pour la nouvelle coupe. Tada ! La classe, non ? On a trouvé un petit restaurant au bord de la route qui paye pas de mine. On a l'impression d'être chez quelqu'un. Donc toi, t'as des soupes avec des tortillas. Moi, j'ai du poulet avec des tortillas. On a un jus de... C'est quoi le jus ? Pastèque. On a un jus de pastèque. Je sais pas combien ça va nous coûter, mais à mon avis, si ça nous coûte 4-5 $, franchement, c'est bien. On vient de quitter San Salvador, la capitale, pour aller à Santa Ana. C'est à peu près à 2 heures de route et on paye 2 $ pour le bus. Santa Ana, c'est une petite ville vraiment sympa. Il y a un peu un côté, Carthagène avec les vieilles façades. Il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, il y a la place qui est très animée et par contre, il fait une de ces chaleurs. On a quitté la France il y a 2 jours, il faisait en ressenti moins 10 et là aujourd'hui il fait 35 degrés, c'est horrible. On vient de rencontrer Josh dans la rue, comme ça, aléatoirement. Et il a un magasin de réparation d'électronique et il nous a invité à boire le café, il a mis une de nos vidéos sur YouTube. Les rencontres, ça commence déjà bien au deuxième jour. Thank you.
après l'ascension du volcan de Santa Ana. Donc c'est José qui nous a amenés, on l'a rencontré dans l'avion. En plus, il nous a amenés à l'hôtel le premier jour à San Salvador, il nous a amenés à l'hôtel et il s'est arrêté sur la route pour nous payer à manger, des pupusas plus exactement. Et il tenait absolument à nous amener au volcan. Voilà. Donc, ça prend à peu près une heure depuis... Depuis Santa Ana, depuis une heure de route. Et après, l'ascension, c'est 2 heures. C'est pas trop difficile. Ouais. 2 heures pour monter, 2 heures pour descendre. Et là, pour le moment, on attend le groupe. Parce c'est un peu particulier. Il faut qu'apparemment, on monte en groupe. Il n'y a personne qui fait le chemin tout seul. Il faut qu'on attende le groupe pour monter. Donc là, on attend. Et petite info, ça coûte... On ne sait pas trop vous dire exactement combien ça coûte parce qu'on est monté avec une voiture qui s'est garée, on n'est pas monté en bus. Mais nous, pour l'instant, on a payé 4 $. 4 $ chacun, 4 $ chacun pour entrer dans le parc et faire l'ascension. Et Rosé nous a dit aussi que c'est bien de rejoindre un groupe parce que ça aide la population locale. Donc même si on dépense un petit peu, au moins on aide aussi la population. Bienvenidos a cada uno de ustedes al Parque Natural Cerro Verde. Me presento, mi nombre es Brandon y pues también soy el encargado de impartirles estas indicaciones generales para... Bien arrivé en haut du volcan de Santa Ana de la Matepec. La Matepec, c'est une petite randonnée de 2 heures, c'est pas trop difficile, ça monte un petit peu. Là on est à 2350 mètres d'altitude et là je suis avec José, nuestro primero amigo del viaje. Nuestro amigo del primero día del viaje. Sí. En Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica. Oh, bienvenido El Salvador. Gracias pour nous avoir ramené ici. Voilà. Bring us here. Un gusto, un placer. Que lo disfruten. Après une ascension ou une descente un peu physique sous la chaleur du Salvador, il est temps de se régaler. On a trouvé un petit truc au bord de la route. Bon, les places sont un peu chères parce que c'est un endroit vachement touristique, mais ça a l'air vachement bon. Et puis je pense qu'avec ça, on n'a même pas besoin de manger ce soir. À Santa Ana, on dort dans une petite maison d'hôte qui s'appelle Casa Blanca Su Casa. Donc c'est vraiment pas cher. Pour une chambre privée, pour 2 personnes, c'est 14 $ la nuit et avec le petit déjeuner compris. En plus, l'hôte, ami, est vraiment, vraiment sympa. Et on a passé des nuits calmes au calme. Et ça c'est bien. Le lendemain, nous sommes allés avec nos amis Rosé et Saïd voir le site archéologique de Tazumal. Tazumal est un complexe précolombien maya qui aurait été construit au début de la période classique, soit 200 ans après Jésus-Christ, et aurait été occupé jusqu'à 900 ans après J.C. Nos amis nous font goûter la spécialité du Salvador, la boisson horchata, c'est un fruit. Et aussi la nourriture là, c'est de yuca sancho chada. Con chicha. Con chichada. Yuca con chicha.
empujado y te pido por favor que me lo vengas a secar. Para todos, como dice. On vient de quitter Santa Ana pour aller à Atiquizaya. Pour ce faire, on a pris le bus. Ça a coûté 50 cents par personne. Et franchement, c'était folklorique. Il y a des petits marchands qui viennent toutes les, je pense, 30 secondes, qui crient dans le bus, des gens qui nous regardent un peu de partout, mais des regards curieux. Et t'as des représentants de lama pour se raser, qui viennent, qui font leur présentation et tout, c'est vraiment drôle. Et donc là on est à Atiquizaya, c'est un tout petit village qui a l'air plein de charme, on fera le tour après. Et on va à une cascade, Salto de Malatupican, un truc comme ça. C'est un nom un peu, j'ai écorché le nom. Salto de Malacatupian, depuis la ville il faut à peu près une heure de marche si on y va à pied. On a eu de la chance, on a eu deux autostops qui nous ont pris, on n'a même pas demandé, c'était une formalité presque, ils se sont arrêtés, ils nous ont dit monter. Et donc normalement l'entrée est payante, mais là on n'a pas payé, je pense que c'est que le parking qui est payant, et puis là on va aller se baigner. On est chez Roxana, la mère à un ami de Rosé, et on a une soirée pupusas, on va apprendre à faire des pupusas, on va se régaler. Yo lo que le quería decir que la grabara ella, si la pupusa, sí, a ella, para que la vean a ella que está echando pupusas. The way that aprendiendo poco a poco. Yo para aprender a hacer. Sabe cuál es la mano, tú eres mi mamá. Moi je fais des trous dans mes galettes, elles ressemblent à rien. Tienes guay. Sí. Le van a decir allá a Jean que le consigue un poco, voy a tomar agua. Nouvelle journée, on est parti de Santa Ana, pareil, on a pris le petit bus local pour 50 cents, je crois. Ouais. Et là, je sais plus le nom du village. Là, on est à Ahuachapán, on commence par le nord. Il y a 4 villages à faire sur la route des fleurs. On va faire ça en 2 jours, on va prendre le temps. C'est un peu un basique du San Salvador, la route des fleurs. Ouais, le Salvador, ouais, c'est un basique à faire. Et là, on a décidé de dormir en tente parce que les logements sont un peu chers. Et aussi, c'est un petit peu pour rentabiliser notre tente. Ouais, et puis ça peut être une expérience sympa. Donc, on ne sait pas encore où c'est qu'on va dormir. On va faire 2 villages aujourd'hui, je pense. On va s'arrêter au deuxième dormir et on en fera 2 autres demain. Un endroit où il y a un super beau point de vue avec une croix, vous la verrez si vous venez. Sinon, bon, pour mon ressenti par rapport au village, moi j'aime pas trop parce que c'est un peu pollué par toutes les boutiques souvenirs. On voit plus les façades et autant qu'il y en ait, ça je peux comprendre, mais là il y en a vraiment beaucoup et au final pas énormément de touristes. Thank you.
la mission camping est annulée, c'est un échec. Alors, en fait, on n'a pas trouvé d'endroit où camper. On n'a pas trop d'endroits, du moins acceptables, où camper, où on n'aurait pas trop de problèmes. On a demandé à des locaux, certains nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, d'autres nous ont dit qu'il fallait se méfier. Bon, après, on sait que les locaux ont souvent tendance à exagérer un peu le risque. Après, on a demandé à la police, ils nous ont dit qu'il y avait un stade de foot pas loin, que là-haut, c'était bien de camper. Mais on ne l'a pas trouvé, puis on avait un peu la flemme de chercher. Puis au final, on a trouvé un petit hostel sur notre chemin. Pas trop cher, on va dire, pour l'endroit. Mais bon, et après, on s'est rendu compte une fois, avant, en ayant payé l'hostel, que le stade de foot était dans une école. Derrière. Et donc, voilà. Ce sera pour la prochaine fois, c'est que le début du voyage, on a le temps. Et la prochaine fois, nous retiendrons qu'il faut être organisé, même pour camper. Après une bonne nuit, là, on va bouger vers l'autre village, Apaneka. Mais un petit peu avant ça, on va aller dans le café de notre hôte, café des artistes. Donc vraiment, on va vous présenter en vidéo parce que c'est un petit coin de paradis. Un petit café sympa qui s'appelle le café Del Artiste. Donc il est tenu par la personne qui nous héberge, enfin le mari de la personne qui nous héberge, et c'est un artiste. Et tout son café il l'a peint, il l'a décoré, et aussi il expose d'autres artistes. Et il y a une odeur incroyable, la déco est super, franchement. Et bien sûr, le café est super super bon. C'est pas un café chaussette comme on a pu avoir dans la plupart des endroits où on allait. Là, il a un bon goût de cacao derrière, c'est vraiment très bon. Après Apaneka qui s'est fait très rapidement. Apaneka c'est tout petit, il n'y a pas grand chose à faire, on y est resté 30-40 minutes, on a fait le tour. L'église est belle par contre. On est à Ruayua, c'est notre dernier village sur la route des fleurs. C'est un petit peu plus grand mais là pour le coup c'est joli. Il y a un marché, il y a pas mal de choses à voir. Je pense qu'on va passer une après-midi, quelques heures ici avant de repartir sur Santa Ana.